Face à des températures inhabituellement élevées pour un mois de mai, les autorités grecques ont autorisé la réouverture de 515 plages privées du pays ce week-end, alors que les plages publiques sont accessibles depuis le 4 mai. 40 personnes maximum sur 1000 mètres carrés, distance de 4 mètres entre les parasols, désinfection des transats entre chaque client. Les règles sont strictes et difficiles à appliquer. Cet été sera sûrement très différent des précédents. Nous devons tous nous adapter à une nouvelle vie quotidienne, à de nouvelles règles que nous devons suivre et les maintenir aussi longtemps qu'elles sont nécessaires. Nous espérons un effort collectif pour obtenir le meilleur résultat. Depuis ce week-end, les Grecs se rendent massivement à la mer, comme sur ces images près de Thessalonique. Résultat, sur les plages en accès libre, beaucoup moins surveillées, les distances de sécurité ne sont pas respectées. En France, certaines plages ont rouvert ce samedi, notamment sur le littoral méditerranéen. Elles sont réservées à la promenade et à la baignade. Pas de rassemblement ni de pique-nique, comme ici, à Hyères, dans le Var. Donc on interdit juste les rassemblements de plus de 10 personnes. Et l'alcool sur la plage, après quelqu'un qui est posé pour se faire bronzer, a totalement le droit de le faire. Les réouvertures de plages en France ont démarré mercredi dans le Finistère. Certains départements comme les Bouches-du-Rhône préfèrent attendre encore un peu avant d'autoriser leur accès.